la conquête de la Martinique pour révéler davantage le Bénin. Dans l'après-midi de ce mercredi, l'avion qui le transporte foule le sol de l'aéroport de Fort-de-France. Le chef de l'État est accueilli par Jean-Christophe Bouvier, préfet de la Martinique, et Patricia Tell, deuxième vice-présidente de l'Assemblée de Martinique. Au menu de l'agenda de Patrice Talon, la diplomatie territoriale et la coopération décentralisée entre le Bénin et la collectivité territoriale de la Martinique sur des axes prioritaires et stratégiques de coopération culturelle et artistique, universitaire, économique et touristique. Il s'agira également, entre autres, de visites de sites touristiques, mémoriels et culturels emblématiques de la Martinique. Cette visite de travail du président Patrice Talon s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin de valorisation de son patrimoine culturel, matériel et immatériel et de diffusion de sa création contemporaine au-delà de nos frontières. Dans l'après-midi de ce mercredi, le premier acte de la visite de travail de Patrice Talon en Martinique est son tête-à-tête avec Serge Letchimy, le président de la communauté territoriale de la Martinique. Une séance assez longue, dense avec beaucoup d'échanges pour planter le décor du séjour et sceller les relations bilatérales entre les deux hommes d'État. Suivra ensuite une séance avec le conseil exécutif de la collectivité territoriale martiniquaise, ainsi qu'une partie restreinte de la délégation béninoise constituée des ministres et du conseil spécial du chef de l'État. Les deux présidents sont descendus dans une agora. Il y avait ici une centaine de personnes, hommes d'affaires et cadres des secteurs économiques, culturels, associatifs martiniquais. Je voudrais donc, à travers vous, non seulement saluer l'Afrique, mais aussi tout particulièrement adresser mon salut au Bénin. Votre présence aujourd'hui nous donne l'occasion de réparer une des injustices qui balise cette histoire coloniale que nous partageons hélas douloureusement. Je veux parler de cette injustice dont a été victime le roi Haïtiéré Béhanzin. Au Bénin, dira Patrice Talon, la mémoire collective met encore beaucoup de temps à se débarrasser des horreurs et conflits des temps passés entre royaumes. Mais c'est un défi à relever, celui auquel il a invité la communauté, à savoir se départir des rancœurs pour vivre ensemble et construire une nation. La mémoire collective met malheureusement encore beaucoup de temps à se débarrasser du souvenir des horreurs. Des drames, des conflits des temps passés entre royaumes, ethnies et communautés. Vivre ensemble, construire ensemble une nation en faisant fi de souvenirs des horreurs qui ont opposé nos royaumes jadis. Nos communautés dans le temps, nos ethnies dans le temps. C'est le défi qu'est le nôtre. Vivre ensemble, construire une nation en dépit de cela. Et presque toutes les grandes nations du monde ont connu. Ont vécu ces mêmes controverses, ces mêmes rancœurs. Alors, on le sait. Notre histoire, elle est particulière, certes. Elle est caractéristique de ce que le monde est, de ce que le monde a été. Mesdames et messieurs, notre responsabilité commune, notamment celle des responsables des communautés, des dirigeants, des responsables politiques ou administratifs. Notre responsabilité est d'œuvrer à construire
des nations fortes et unies, débarrassées de ces rancœurs même légitimes, afin de pouvoir répondre aux exigences de la compétition entre les nations. J'ai pas de doute, mesdames et messieurs, que l'Afrique, de part et d'autre de l'Atlantique, l'Afrique, qui s'exprime sur cette belle terre de la Martinique, l'Afrique qui demeure de l'autre côté de l'Atlantique, sur la terre même, est capable de se réconcilier avec elle-même et avec les autres. J'ai la conviction que l'Afrique et sa diaspora sauront se reconnecter pour notre connaissance commune. Je crois que dans cette perspective, le Bénin et la Martinique sauront mettre en place une coopération dynamique et future. Parce que désormais, nous sommes partis pour mieux nous connaître. Mieux nous connaître pour bâtir des relations solides qui vont mutuellement plus fort. Vive la Martinique. L'amitié et la fraternité retrouvées se trouvent ainsi célébrées. Dans un élan d'optimisme à nul autre pareil, la pertinence des propos du président réformateur et visionnaire a conduit à un échange de cadeaux symboliques entre les deux leaders. Un cocktail dînatoire a mis un terme aux activités du jour, scellant ainsi l'amitié entre les deux peuples. En 1894, le roi Béhanzin était beaucoup craint par le colonisateur en raison de son charisme. Et pour l'empêcher de bloquer les intérêts, il a été déporté dans l'île de la Martinique au fort d'Artençon. Avec sa famille et sa suite, le roi Béhanzin a été forcé ici à l'exil pendant 12 années. Plus d'un siècle plus tard, Patrice Talon, plus que jamais mu par la volonté de restaurer l'histoire dans ses moindres détails, descend sur les lieux. Au président Patrice Talon et sa suite, une présentation conséquente, bien détaillée avec des explications sur ce musée de l'histoire de la traite négrière, a été faite. Des moments pleins d'émotions pour les visiteurs. Béhanzin était un roi redoutable face à la colonisation et il a fait montre d'un courage et d'une détermination légendaire. Béhanzin a suivi le chemin que beaucoup de ces, à l'époque on les appelait les sujets, le chemin que beaucoup de ces sujets ont pris. Je ne donne aucune interprétation à ce fait d'histoire, mais il se fait que trop de choses nous lient, la Martinique et le Bénin. Donc c'est fort naturellement que je suis venu à ces lieux d'abord pour me recueillir, pour en savoir davantage sur cette partie de notre histoire. Cette partie de notre histoire n'est pas si accessible dans les détails à tout le monde. Il faut être un chercheur pour aller connaître les détails. Il est temps de réhabiliter cela, de rompre avec cette faiblesse et de pouvoir établir de manière standard, accessible à tout le monde, les détails de cette partie de notre histoire. Justement. Je viens de convenir avec le maire que nous allons engager une coopération pour l'accès aux archives et pouvoir extirper tout ce qui retrace dans les détails de cette histoire commune, concernant notamment la détention, son arrivée, la détention ici, le roi Béhanzin. Mais on le fait très vite, parce qu'il nous permettra de mettre à disposition de tout le monde, ici, au Bénin et partout d'ailleurs, y compris ceux qui viendront ici, cette partie de l'histoire de l'humanité qui nous concerne. Kondo le requin, c'est le surnom du roi Béhanzin, prêt à tout pour défendre son pays, le Dahomey, une force de caractère saluée par plusieurs générations. Des traces et détails de l'histoire commune de l'humanité que Patrice Talon entend restaurer le plus tôt que possible afin qu'ils ne disparaissent pas.
promesse tenue par Patrice Talon pour le lancement de l'exposition Art Contemporain du Bénin en Martinique. C'est le commissaire Lassissi qui fournit des explications aux visiteurs. Cette exposition réunit 42 artistes plasticiens autour d'une centaine de leurs œuvres. Nous le savons tous ici, le Bénin et la Martinique, par leur histoire, sont des pays qui ont beaucoup en commun. Ils ont des liens indélébiles, tissés dans la souffrance. Inutile de vous dire, mesdames et messieurs, le plaisir et l'honneur que j'éprouve ce soir à procéder aux côtés du président Patrice Talon à l'inauguration de cette exposition qui, par sa beauté et sa densité, fera date à la Martinique. Mesdames et messieurs, c'est aussi pour moi ce soir l'occasion de rappeler que la Fondation Clément, en créant un tel événement, est dans son rôle de lieu de rencontre, d'échange et de rassemblement de cultures et de sensibilités différentes, mais aussi complémentaires. Certains événements transcendent l'éphémère pour s'inscrire de manière indélébile dans l'histoire en raison de leur caractère exceptionnel, de leur contexte particulier et de leur capacité à éveiller des émotions profondes. L'exposition Révélation, Art du Bénin, dont nous inaugurons aujourd'hui le vernissage, appartient à ces moments uniques. En effet, l'art et la culture, cristallisant les traditions créatives, le savoir-faire et le savoir-être d'un peuple, constituent des secteurs stratégiques que le tourisme accompagne, révèle et positionne comme puissants témoins de visibilité et de rayonnement d'un peuple et d'un pays. La présente exposition s'inscrit dans la dynamique en cours au Bénin depuis 2016, faisant des arts et de la culture l'un des principaux vecteurs du développement du pays, et c'est cette richesse culturelle que nous mettons en lumière pour contribuer à forger notre identité nationale et projeter l'image du Bénin à l'échelle mondiale. Mesdames et messieurs, cette exposition est le fruit d'une collaboration exceptionnelle en deux cultures riches et diverses, mais aussi en deux pays et deux institutions qui ont fait des arts et de la culture le centre de leurs intérêts. La Fondation Clément, œuvrant pour la valorisation des arts des Caraïbes et du monde, et la DAC, entendez l'Agence de développement des arts et de la culture, opérateur en charge du soutien et de la promotion des œuvres artistiques et culturelles du Bénin. En explorant cette exposition, le visiteur est invité à entreprendre un voyage à travers le temps et l'espace, à découvrir une palette d'expressions artistiques qui révèle la diversité et la vitalité d'une culture profondément enracinée dans son histoire. Vive la coopération culturelle internationale. Je voudrais vous remercier infiniment. Le président Patrice Talon indique que la cosmogonie vaudou, l'écologie, la féminité, le culte aux ancêtres ou la question de l'identité sont autant de sujets sur lesquels les artistes béninois s'épanchent sans tabou. Nos créateurs, souligne-t-il, à travers cette exposition, constituent de véritables ambassadeurs du renforcement de la fraternité bénino-martiniquaise. Mesdames et messieurs, mon arrivée ici, en terre de Martinique, dans ce pays qui est aussi le mien, par le sang que je partage avec un grand nombre d'entre vous, est pour moi plus qu'une visite de travail,
plus une visite d'amitié, plus qu'une visite de promotion du Bénin ou de l'art du Bénin. Mon arrivée ici en Martinique est pour moi un véritable pèlerinage. Je suis en pèlerinage ici. En effet, ici dans la Caraïbe, et plus particulièrement sur cette terre de Martinique, furent déportés et soumis à l'esclavage des millions d'Africains. Le roi Béhanzin, souverain du royaume de Dahomey, et dont l'un des derniers compagnons fut le devin Gedegbe, mon arrière-grand-père. Le roi Gedegbe, le roi Béhanzin, a donc été déporté et gardé en captivité ici, à Martinique, de 1894 à 1906, avant d'être transféré malade à Blida, en Algérie, où il mourut le 10 décembre 1906. Mesdames et messieurs, notre histoire est commune. Mais je ne suis pas venu remuer le couteau dans une plaie qu'il convient plutôt d'œuvrer à cicatriser. Je l'ai dit hier à l'hôtel de la région. Je crois qu'ici on l'appelle l'hôtel de la collectivité. Je l'ai dit hier et j'ai exhorté mes frères et sœurs martiniquais à vivre dans ce beau pays avec une seule intention, rendre la nation martiniquaise plus forte, plus unie, plus harmonieuse. Les controverses, les souffrances, les peines, les polémiques les plus légitimes, les rancœurs les plus légitimes ne doivent pas nous enchaîner dans le passé. J'en sais quelque chose parce que tout cela est facteur de sous-développement. L'une des raisons pour lesquelles le continent africain reste dans le sous-développement. Le monde avance. Et les nations, les communautés sont en compétition. Il faut être fort, aguerri, débarrassé de tout ce qui nous freine dans notre énergie intérieure pour non seulement se développer, grandir, mais pour trouver même la paix intérieure, la paix sur cette terre. La Martinique, que je découvre, est un très beau pays, riche par ses hommes, par sa culture, par ses cultures, et par ces épreuves. Je voudrais tant que mon arrivée ici contribue d'une certaine manière à la réalisation de cette harmonie entre des gens si bien, tous, si beaux, sur une terre si agréable, si belle. Le monde entier rêve d'un pays comme le vôtre. Ce serait dommage que ce pays ne soit pas un paradis sur terre pour vous.
Mon désir de venir dans la Caraïbe, notamment ici en Martinique, ne date pas d'hier. Mais quelqu'un a su ou a eu le mérite de m'inciter à le concrétiser maintenant, ces jours-ci, depuis hier. Quelqu'un a été le déclencheur de ce pas vers cette terre qui est également la mienne. Je veux nommer Bernard Ayotte. Je voudrais, cher ami, vous en féliciter, vous en remercier. Je suis venu chez moi grâce à vous. Merci. Vous êtes venu à Cotonou. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, je crois en octobre 2022, il y a juste un peu plus d'un an, en compagnie de votre épouse, la grande dame Catherine Ayotte. Et vous avez eu le bonheur de contempler les trésors royaux restitués. De grande portée artistique. Et à l'occasion, vous avez découvert l'art contemporain du Bénin. Et plus tard, nous nous sommes vus à Paris. Et je vous ai dit que ces œuvres contemporaines s'apprêtaient à faire le tour du monde. Vous m'avez dit, Monsieur le Président, ces œuvres ne peuvent pas faire le tour du monde sans passer par la Martinique. Vous m'avez rajouté l'habitation Clément, c'est bien ça. L'habitation Clément se ferait l'honneur de les accueillir. Et nous ferons tout pour que ce soit une belle exposition. Vous me l'avez promis, je vous ai dit. Alors, je viendrai moi-même à cette exposition. L'exposition a commencé son tour du monde. Est allée au Maroc. Je n'y suis pas allé. Parce qu'habituellement, je me déplace pour la promotion du Bénin, pour les autres secteurs de la vie, notamment l'industrie, quand je fais la promotion de l'investissement au Bénin. Je fais la promotion du tourisme au Bénin, du secteur agricole, des petites et moyennes entreprises. Quand je quitte mon pays pour parler du Bénin, c'est pas souvent, sinon presque jamais pour l'art et la culture. Presque pas. Parce que nous sommes dans une dynamique qui n'a pas encore atteint le niveau que je souhaite pour recevoir le monde au Bénin, pour découvrir ce pays qui est en train de connaître un changement formidable sur tous les plans. Mais l'exposition diptyque que nous avons eu à faire à l'occasion donc du retour des œuvres nous a fait dévancer un peu notre agenda. Puisque tous les musées du monde et les grands collectionneurs ont demandé que l'exposition se passe un peu partout. C'est ce qui a motivé donc le démarrage de cette exposition itinérante. Mais ces œuvres sont arrivées ici à Martinique. Et je suis arrivé ici avec.
Comme quoi, l'art est magique. Et quand il se révèle à vous, il vous révèle à vous-même. Et il vous amène là où il veut. Il vous amène là où vous devez être. Je devais être venu ici, je t'ai aidé à le faire, et là, m'y a amené. Merci à tous ceux qui ont œuvré à cela. Merci à vous, Monsieur Ayotte, merci à Catherine. Que j'admire. Mesdames et messieurs, nous allons ouvrir l'exposition dans quelques secondes. Et je voudrais que, à travers ces tableaux, ces œuvres, vous découvriez un petit peu le Bénin. L'émotion va vous saisir certainement par la beauté et la grandeur des œuvres. Mais mon souhait est de voir chaque Martiniquais décider ce soir, tout au moins ceux qui sont ici, décider de visiter un jour le Bénin. Peu importe qu'elle vous plaise, ma prière est qu'elle suscite quelque chose en vous. L'envie d'aller connaître ce petit pays d'Afrique avec lequel vous partagez tous quelque chose. Ce petit pays d'Afrique qui a reçu ici en hospitalité le roi Béhanzin. Je ne me suis pas trompé de mot. Hospitalité. Ceux qui ont vaincu le royaume de Dahomey, qui ont soumis le peuple de Dahomey et qui ont déporté le roi, ce n'est pas d'eux que je parle. Je parle de ceux qui, croisant le roi Béhanzin dans ses promenades, dans la cathédrale, n'ont jamais manqué de lui faire allégeance, de l'applaudir et de lui adresser un sourire. Le roi Béhanzin a vécu l'hospitalité martiniquaise ici, en détention. Et c'est pour ça que le Bénin, il a été aussi un peu votre roi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour ça que vous avez l'obligation de venir au Bénin. Cette itinérance de l'art contemporain du Bénin en Martinique est un symbole fort et un grand moment de la chaîne des liens intangibles entre les deux pays. Et le chef de l'État est venu, en toute humilité, prendre notre part de responsabilité dans cette horreur qu'a été la traite. Il l'a dit, il a fait acte de repentance au nom du peuple béninois. Mais ce n'est pas une repentance liée au passé et juste pour dire muséographier. C'est une repentance active, une mémoire active qu'il a voulu laisser entendre pour dire: la meilleure manière de réparer cette blessure qu'il y a entre la Martinique et le Bénin, c'est de créer des ponts entre les hommes, d'où le projet de mobilité aérienne, des ponts entre les cultures, des échanges artistiques. Vous savez, il y a de plus en plus de villes martiniquaises qui sont jumelées à des villes béninoises. Je ne prends l'exemple que la ville des Anses d'Arlé, qui est jumelée avec Ouida et où des choses se font déjà. La ville de Saint-Pierre, la ville du Saint-Esprit font des choses. Bientôt, la ville de Casse-Pilote, avec notamment la ville de Grand-Popo. Bref, il y a des ponts et des choses fortes qui peuvent se créer pour que cette réparation soit dans une forme de conquête. Le chef de l'État
à utiliser ce mot de conquête. Allons à la conquête de notre destinée. C'est un mot césarien. Hein. Nous sommes au rendez-vous de la conquête, les peuples noirs. Et il a voulu que le peuple de Martinique, dans sa diversité, et le peuple du Bénin, puissent aller à la conquête de leur destin en créant des ponts, en créant des échanges. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il allait livrer ici un message de réconciliation. Le peuple martiniquais est un peuple, l'île est magnifique, le peuple est traversé par des blessures qui sont liées à l'esclavage. Il les a entendues, il les a comprises, mais il a voulu surtout que, ensemble, les Martiniquais créent les conditions de vivre ensemble sur cette très belle île. Et les Martiniquais ont été très touchés par ce discours rassembleur, réunificateur, réconciliateur de notre président de la République. Donc voilà ce qu'on peut tirer comme bilan de cette visite, que je répète une fois de plus, historique, du président Patrice Talon à la Martinique. Du 15 décembre 2023 au 30 mars 2024, les Martiniquais et autres sympathisants auront l'occasion à la Fondation Clément de découvrir le génie artistique béninois. Mémorial Cap 110 en Martinique. C'est un ensemble de 15 statues de 2,5 m pesant chacune 4 tonnes et demie. Un mémorial conçu pour rendre hommage aux victimes d'un événement tragique survenu le 8 avril 1830 relativement à la traite négrière. Accompagné du maire de cette localité, Patrice Talon fait un dépôt de gerbes en guise d'hommage à la quarantaine de captifs africains morts suite à l'échec d'un bateau de traite clandestine dans la nuit du 8 au 9 avril 1830. Le 8 avril 1830, vers 11h, la population aperçoit des voiles qui naviguent du rocher du diamant qui est ici jusqu'à une pointe qui est un peu derrière, qui s'appelle la pointe La Chérie. Alors tout le monde se pose la question de savoir où va ce bateau, quelle est la nature de son voyage. Et vers 17h, le bateau arrive et mouille une ancre juste derrière nous, devant cette plage qui s'appelle l'Anse-Cafar. Alors les gens du quartier, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un jour de tempête, vont venir, autant qu'ils le pouvaient, le long de la plage, pour faire signe au bateau de ne pas rester là parce qu'il y avait un risque. Il y avait un risque d'échouage. Mais il n'y avait personne sur le pont de ce bateau, il n'y avait personne. Alors il faut comprendre aussi qu'on est en 1830, c'est une période un peu particulière parce que l'esclavage n'est pas encore aboli, il va l'être ici en 1848, mais la traite est interdite. Donc on est dans une espèce de séquence de commerce clandestin. Et à 23h, ils entendent des cris, des hurlements, évidemment, ils imaginent que ce qu'ils redoutaient s'est passé, c'est-à-dire que le bateau s'est échoué au pied de cette falaise. Alors la population va venir ici, essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Ils vont récupérer quelques enfants et quelques femmes, principalement parce que figurez-vous que les hommes étaient enfermés dans la cale pour qu'ils ne s'évadent pas pendant l'incident, pendant le problème. Donc les hommes principalement africains vont être noyés dans ce bateau. Les noyés vont être enterrés ici même. Les cadavres de marins négriers vont être enterrés à la paroisse du Diamant. Et les survivants vont poser un problème, parce qu'il y a eu des survivants, il y a eu des femmes et des enfants, qui est un problème qui est presque indécent d'imaginer ça, un problème juridique. Que faire de ces personnes qui ne pouvaient pas être libérées parce que l'esclavage n'était pas encore aboli, mais qui avaient été saisies, je dirais, qui s'étaient trouvées dans une histoire de trafic clandestin, puisque la traite était interdite. Alors, il y a une résolution juridique, j'ai envie de dire cruelle, qui s'est appliquée. Il a été considéré que c'était des saisies de douane et ils ont été déportés une seconde fois, cette fois en Guyane. Patrice Talon, dont l'émotion était visible, est animé d'un double sentiment. Celui de peine, mais aussi celui de fierté. Chers mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, chers amis, je disais hier que cette visite est pour moi un pèlerinage en termes de Martinique.
je n'imaginais pas que la charge émotionnelle serait aussi intense. Et à chaque instant, j'ai besoin de rassembler toute mon énergie pour résister. Je me suis dit, en fait, l'Afrique, malgré elle, avec beaucoup de peine, de souffrance et d'horreur, n'a-t-elle pas été le moteur de l'essor économique moderne du monde? L'Amérique n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui, première puissance mondiale, la référence en matière de développement, en matière de recherche, en matière scientifique, bref, tout ce qui concourt au développement moderne. Elle n'aurait pas été s'il n'y avait pas eu la traite des Noirs. La terre mère de la Martinique. Je suis parti à parler de la Martinique en ces hommes. Cette réparation proviendra de nous-mêmes parce qu'il faut l'arracher, il faut travailler davantage, dur. Donner une autre image de la communauté noire. Elle devra être désormais plus conquérante et non rester dans la revendication. J'ai eu un autre petit sentiment de frustration, de tristesse, de culpabilité. C'est le peu de contacts, peu de liens, peu de relations qui existent en Afrique de l'Ouest et la Caraïbe, entre le Bénin et la Martinique. Pourquoi depuis que la mobilité est plus à notre portée, pourquoi on ne se fréquente pas assez? Pourquoi on ne se connaît presque pas? Pourquoi les Béninois et les Africains ne viennent pas massivement tout le temps ici? Pourquoi les Martiniquais ne connaissent pas le Bénin? Pas beaucoup, quelques-uns, je vois cette chose. Malheureusement, il me semble que c'est l'exception qui confirme la règle de ce que ils sont partis et ils ont oublié l'Afrique. Et ils sont partis, les Africains les ont oubliés. On s'est oublié, Michel. Il faut casser cette malédiction. Mais ce qui est plus dur, c'est que là, il me semble qu'elle a été voulue. C'est oublié. Il y a un rituel qui est opéré en Afrique, notamment au Bénin, pour le départ des esclaves. Le rituel de l'oubli. Destiné à effacer de la mémoire nos frères et sœurs qu'on embarque pour s'éloigner de l'Atlantique, du chemin de l'Afrique, aller vers le Nouveau Monde, rituel destiné à effacer de leur mémoire d'où ils viennent. Mais ce que Dieu a fait de bien, la nature a fait de bien dans la création, ce de quoi la nature nous a doté, c'est que ce que les uns ont fait, les autres peuvent le détruire. Les uns ont fait de bien, les autres peuvent les détruire. Ce que les autres ont fait de mal, les autres peuvent le réparer. La nature, l'homme est capable de se régénérer à tout moment. Il n'y a aucun fait, aucun acte, aucune construction humaine qui ne peut être remise en cause par d'autres humains. Ce n'est donc pas une fatalité. Même si ça a été une réalité, cette volonté de faire oublier aux Africains qui sont partis l'Afrique. Effacer de leur mémoire l'Afrique. Il faut faire renaître dans la mémoire de chacun de vous, d'où vous venez. Mais pas simplement une construction de la mémoire furtive, non. Il faut qu'elle soit concrète. Et que chacun ait envie, ou alors prenne l'engagement de connaître la vie. J'ai dit hier que je souhaitais que l'exposition fasse naître en chacun de ceux qui vont passer sur les lieux l'envie de connaître le Bénin. C'est une exhortation, mais plus que ça, c'est une prière. Nous allons, monsieur le maire et moi-même, pour ce qui est de notre rôle, œuvrer à faciliter la réalisation de ce vœu. À ceux qui seront les premiers à bien vouloir le faire au-delà de l'exception. Ceux qui le font aujourd'hui, c'est exceptionnel. Ceux qui vont donner une réalité plus concrète, massive, visible, des échanges entre l'Afrique, entre l'Afrique de l'Ouest et la Caraïbe, entre le Bénin et la Martinique, ceux qui vont le faire, il faudrait qu'ils aient la possibilité de le faire, même s'ils ne sont pas riches. Que ce soit une façon de démarrer la réparation. Je voudrais, pour finir, pas souhaiter paix éternelle à leur âme, mais gloire éternelle à leur âme.
parce qu'ils ont contribué à l'essor du monde. C'est eux, les constructeurs de l'humanité, du succès économique, des progrès, du développement actuel du monde. C'est eux. Gloire à eux. À travers cette musique, au son des conques de Lambri, Patrice Talon indique aux Africains d'enclencher le processus de réparation par eux-mêmes via la rigueur et le travail acharné. Le pays va bien. Et je sais que si vous êtes là aussi nombreux, c'est aussi le témoignage de ce que vous suivez parfaitement ce qui se passe à Cotonou. Le Bénin fait son petit chemin, tout doucement, mais avec assurance, pour construire sa dignité et son bien-être. Patrice Talon, face à la diaspora béninoise aux Antilles, Guyane, est revenu sur les réformes engagées au plan politique, économique, culturel, social et autres, mais avec un fort espoir d'un lendemain meilleur. Il faut combler nos retards en matière de santé, en matière d'éducation, d'infrastructures, l'eau, l'électricité. Les choses les plus primaires qui nous manquaient tant et dont on ne dispose pas des ressources nécessaires pour les affronter. Et le peu qu'on collecte, il faut les utiliser à payer des salaires d'une partie de la population. Tout le monde travaille au Bénin, presque. Mais presque personne ne mange vraiment à sa faim. Presque. Et un pays dans lequel il n'y a pas l'électricité ne peut pas se développer, pas créer d'emplois. Et pourtant, la population grossit chaque année. S'il n'y a pas d'eau, on ne peut pas se développer, on ne peut même pas vivre en bonne santé. Si l'école ne fonctionne pas, le présent et l'avenir sont compromis. Donc il faut, dans tous les moyens, trouver les ressources pour faire face à ces besoins-là. Ça va peut-être dur, mais on va passer le cap. Jusqu'à ce que on atteigne le seuil convenable pour partager les conforts de la vie. Les Béninois de cette diaspora sont venus nombreux des Antilles, de la Guadeloupe, de la Martinique et autres. Je souhaite vous souhaiter à nouveau la bienvenue, mes enfants, en vous disant Mikwabo, Mikudo Azor, et également Mikudo Gbada. Voilà ensuite ma question. Alors, compte tenu de la fraternité qui existe entre le Bénin et les Antilles, la communauté béninoise, ici aux Antilles, souhaite créer une maison des Antilles au Bénin. Qu'en pensez-vous? Ah, moi, je suis ravi de vous entendre. Je vais demander au ministre de la Culture. Nous sommes en train de mettre en place, on fait là tout de suite un groupe de travail avec les maires pour donner forme rapidement à ce projet-là, pour que l'État s'implique dans le choix, l'investissement et la coopération à mettre en place pour voir comment est-ce que nous allons structurer ça, aller vite. Nous allons associer la communauté pour voir dans quelle mesure il peut y avoir donc une synergie dans la définition et puis dans l'investissement nécessaire et même dans l'exploitation, la conduite de cette maison, parce que il faut bien aussi l'animer. Donc effectivement, même après, si nous trouvons le contour de son érection, ce sera forcément avec la communauté, parce qu'elle peut même rendre beaucoup de services à la communauté béninoise qui est ici. Donc je prends très bonne note de cela, et nous allons vous associer, vous intégrer au groupe de travail pour donner un contenu très concret, très rapidement à ce projet-là. Merci. Je prends la parole ce soir au nom des étudiants béninois ici en Martinique, pour proposer au gouvernement du Béninois et son président de nous venir en appui, parce que cette année universitaire 2023-2024 est l'année où les Béninois ont été reçus massivement à l'université des Antilles. Nous sommes au nombre de 80 cette année. Et c'est un nombre le plus élevé dans l'histoire de l'université des Antilles. Parce que nous avons constaté qu'à l'arrivée ici, les premiers problèmes que nous avons constatés, c'est le logement avec le CROUS. Nous n'avons pas pu
obtenu donc quelques logements, donc on était obligé de faire donc des partenariats avec des privés, ce qui n'a pas été facile. Si pour les années à venir, si le gouvernement, avec sa présence ici, les autorités de la Martinique, peut faire quelque chose dans ce sens, ça va beaucoup nous aider. Je ne sais pas si à l'instant, on peut, pendant que vous parlez, je réfléchis à la question, à l'instant, on peut faire quelque chose, mais le partenariat que nous comptons mettre en place entre le Bénin et la Martinique peut inscrire l'assistance aux étudiants béninois ici comme un point d'intérêt. C'est-à-dire comment faire pour que ce soit des étudiants boursiers ou non, que leur vie ici, au plan des frais et des logements et autres, puisse faire l'objet d'un partenariat et pour que vous ayez la vie facile ici. L'attribution de bourses de secours aux étudiants béninois à l'étranger a un circuit bien établi. Et tant que ce n'est pas dans ce circuit, il n'est pas possible que directement le Bénin porte assistance à ses étudiants à l'étranger. Il faut nécessairement passer par le circuit d'excellence dans lequel le Bénin accorde des bourses. Alors, si vous êtes venu dans le cadre d'une bourse de l'État béninois, c'est notre problème. Mais si ce n'est pas dans ce cadre-là et que c'est à titre individuel que vous venez, ce qu'on peut faire, c'est voir comment trouver un partenariat et qu'au titre de ce partenariat-là, vous puissiez avoir des facilités dans le pays au titre de la coopération. Et ça, nous serons actifs là-dessus. Mais je note cela, je vais l'inscrire dans les points d'intérêt avec les autorités martiniquaises pour que vous puissiez avoir l'avenance des autorités martiniquaises pour votre vie ici. C'est une séance d'échange fraternel qui a permis au chef de l'État de prendre le pouls de comment ses compatriotes perçoivent l'allure des travaux dans leur pays d'origine. C'est avec un grand intérêt que nous suivons l'œuvre immense que vous accomplissez avec votre gouvernement. Et oui, la tâche n'est pas facile. Monsieur le Président, fort de cet élan impulsé par votre leadership, notre diaspora, la diaspora béninoise ici aux Antilles, nous sommes prêts à apporter notre contribution à l'effort national. Mes chers frères et sœurs, je crois que désormais, on peut être fiers de dire qu'on a du Bénin parce que le Bénin montre un autre visage. Et c'est peut-être pour ça que désormais, les Béninois affichent bien leur nationalité, leur origine. Sans complexe. Il reste tant à faire. Et toutes les fois qu'on constate que nous faisons des chemins n'est pas si bon, on fait des erreurs, moi je n'hésite pas à faire demi-tour. Parfois, on nous accuse de tergiverser. Il dit, mais oui, nous n'avons pas la science infuse, nous ne sommes pas omniscients. Si on pense faire quelque chose de bien que ce n'est pas bon, on fait demi-tour. Mais on a de bonne foi. Voilà donc l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Alors, quand je rencontre les miens, quand j'ai l'occasion de le faire, j'aime bien demander comment vous voyez les choses. Comment vous sentez le pays? Quelles sont les choses qui continuent de vous heurter? Quels sont vos questionnements? Quelles sont vos suggestions? Vous qui désormais êtes un peu loin et qui observez bien la vie ailleurs, quelles sont les suggestions que vous pouvez faire pour que les choses s'améliorent, que les choses aillent vite? Celui qui va loin parfois est plus aguerri, souvent d'ailleurs, et plus en mesure de dire « Ah, il y a telle chose que moi j'ai vu ailleurs qui se passe ainsi et qui permet, qui s'inspirant de cela, on peut faire les choses mieux au pays. » Le Bénin, si loin aujourd'hui de vous, mais si près, si présent en vous, vous donne encore plus de raisons de rentrer souvent, de faire rentrer les enfants, de venir au pays, ou certains de revenir travailler au Bénin, et de continuer à contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de ce beau pays qui est le nôtre. Les Béninois de la diaspora appartiennent à plusieurs corps de métiers et se disent prêts à apporter leur soutien à l'œuvre de construction nationale. Et je voulais simplement le remercier par rapport à tout ce qu'il a fait au Bénin. On l'encourage à continuer de la sorte. Notre président a eu une très bonne écoute, dynamique, cordiale, sincère, directe avec nous.
et cela nous réjouit et nous conforte dans l'espérance que bientôt il se mettra en place de nouvelles dispositions pour nous permettre effectivement de venir contribuer à l'essor économique et au développement consolidé de notre pays. Merci pour ce qu'il a fait, merci pour tout son gouvernement et merci pour vraiment d'avoir honoré ses enfants ici aux Antilles-Guyane. Cette rencontre rassure les compatriotes de la diaspora qu'ils peuvent également être considérés à part entière membres de leur communauté d'origine. La maison de l'ancien député maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, a reçu la visite du président Patrice Talon. C'est un bâtiment situé à Fort-de-France où vécut le poète et homme politique du début des années 60 jusqu'à sa mort en 2008. Après la mort du chantre de la négritude, sa maison sera vendue sur proposition de la famille Césaire à la commune de Fort-de-France. Depuis 2014, elle est classée monument historique. La demeure abrite au total 3 bibliothèques, dont une grande. Un tour dans les différents compartiments, en compagnie du maire et de la gouvernante Clémence Franchinard, a permis à Patrice Talon et sa délégation d'entrer dans l'intimité du poète. En signant un livre ouvert pour la circonstance, Patrice Talon a indiqué tout son vœu de voir perpétuer l'immense héritage d'Aimé Césaire. Nous serons les gardiens de ton héritage et nous en ferons la promotion pour l'idéal que constitue ton combat. La maison d'Aimé Césaire est annoncée pour être restaurée en 2024. Dans la soirée, un spectacle spécial a été organisé en l'honneur du chef de l'État et sa délégation.